Salut Elliot. Salut Thomas. Est-ce que tu peux te présenter? Donc bonjour à tous, je m'appelle Elliot Arkish. Je suis de Lot-et-Garonne, j'habite à peine d'Agenais. Là on est sur le secteur de Roger, sur le bief de Villeneuve-sur-Lot. Donc Roger c'est un centre où il y a un peu tout, il y a une base de loisirs, un centre d'équitation, un grand château, et du modélisme, et un aérodrome. C'est un secteur que tu apprécies particulièrement, je crois? Ouais, je pêche assez souvent sur ce bief, il y a beaucoup de black bass. C'est vraiment l'espèce que tu recherches principalement quand tu viens à la pêche, je crois. Voilà, c'est surtout l'espèce que je préfère. Ok, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce poisson en particulier? Parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est sûrement un des seuls endroits publics où il y en a. J'aime bien pêcher finesse, moi, pêcher avec des petits worms, pêcher au shad, en weightless, par rapport à l'Hirlot qui est quand même relativement poissonneuse, même très poissonneuse. En toutes sortes de poissons, black bass, sand, perche, brochet, silure. Et carpe également. Beaucoup de carpe. Et le bief sur lequel on se situe, c'est vraiment ton bief favori du Lot-et-Garonne? Ouais. Enfin, pour le black bass, c'est mon bief favori, le bief de Villeneuve-sur-Lot. C'est un bief qui a tous les profils profonds, des structures, beaucoup d'arbres morts, du cover, c'est-à-dire des frondaisons. Le black bass est un poisson qui aime se cacher? Il aime beaucoup se cacher partout. Le but du jeu est donc d'aller le chercher. Voilà, à Roger. Donc aujourd'hui, on a pêché beaucoup en Texas. Donc un hameçon texan, c'est un système qui permet de moins s'accrocher? De moins s'accrocher, oui. Et du coup, de permettre d'aller chercher les poissons beaucoup plus profond dans les frondaisons. C'est un hameçon qui est repiqué à peu près dans le milieu du leurre pour permettre justement de ne pas s'accrocher. Et c'est un leurre qui est quand même bien polyvalent parce qu'on peut pêcher à peu près toutes les zones d'eau, toutes les couches et tous les postes. Et ça fonctionne vraiment pas mal. Tu adaptes un petit peu tes techniques en fonction des périodes de l'année ou de la météo, ou c'est vraiment quelques techniques qui te rapportent le plus de poissons sur cette rivière? Ouais, je trouve que c'est quelques techniques qui rapportent le plus en quantité et en grosseur de poissons, c'est quelques techniques. Après, il y a des techniques, c'est sûr, qui sont un peu plus fun à pêcher, comme le popper. Donc là, il s'agit d'un leurre de surface. C'est un leurre de surface, ouais, qui s'anime par à-coup. Par à-coup, ouais. Il fait des plops sur l'eau, ça fait des ronds, ça fait venir quand même souvent des jolis poissons. Ce qui doit être assez chouette d'ailleurs. C'est de voir l'attaque, ouais. C'est vraiment chouette de voir le poisson monter, ça. Voilà, c'est vraiment joli. Après, il y a ça aussi, ça c'est un stick bait. C'est plus en animation. Le leurre, il vacille sur l'eau et c'est polyvalent avec le popper. Il a vraiment un comportement erratique à la surface de l'eau et, ouais. Et ça imite une proie en détresse et, voilà. Et ça fait suivre les poissons. Et après, ça, c'est une technique qui est pas trop employée, pas trop connue. C'est à tort, oui, vraiment. C'est un leurre qui coule. Il y a les hélices qui tournent sous l'eau comme ça. Alors surtout et ça marche bien quand il y a beaucoup de bait fish, c'est-à-dire des petits alevins ou des gros alevins, des ablettes. Quand les poissons ils viennent chasser dedans, et ça c'est un leurre qui prend surtout quand même beaucoup de beaux poissons et des poissons très éduqués. Surtout quand on a des grosses chaleurs également, ouais. que les poissons fourrage sont un peu apathiques. Voilà. C'est un leurre qui se ramène tout doucement, donc il fait venir vraiment des beaux poissons, quoi. Super. Qu'est-ce qui t'arrive d'attraper comme autre espèce lorsque tu traques le black bass? La perche. Des beaux spécimens? Ça commence à bien revenir. À une époque, il y en avait de moins, et là, ça revient quand même pas mal. Quand tu te mets ouais, à chercher le brochet, je remonte un peu plus haut. D'accord. Donc là, on est vraiment sur... Ici, on est sur... Sur un territoire de jeu du black bass. Voilà. Il y a des gens qui viennent de partout pour venir pêcher ce poisson et de toute la France, qui traverse la France entière. Il a donc, à ton sens, un réel intérêt économique. Un réel intérêt économique et touristique également, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on trouve du black bass comme ici. Après l'hiver, on peut vraiment bien s'amuser sur le sandre, il y en a quand même énormément de cendres. Le brochet, il y en a quand même pas mal aussi en début de saison, pendant que le black bass frais, c'est vrai que c'est bien de se rapatrier sur le brochet pour laisser reproduire le black bass, pour qu'il puisse... faire sa progéniture pour nous s'amuser plus tard. Et alors je crois également que cette passion te permet de remettre les poissons
dans leur élément, dans de bonnes conditions, une fois que tu as réussi à les capturer. Voilà, et c'est vrai que certains disent des fois qu'on entend dire « ouais, mais les poissons, ils sont piqués, mais bon, est-ce qu'ils sont pas morts après ?» Ben non, je me rappelle que pendant 3 ans, j'ai fait un gros bass et tous les ans, je le faisais au même endroit, au même poste, et je l'ai fait 5 ou 6 fois, ce poisson, et c'était un très gros poisson. Et comme quoi, ça veut dire que le no-kill, ça fonctionne vraiment, quoi. On s'amuse, on relâche, mais les poissons, ils restent. Donc un loisir en plein air qui permet de respecter une certaine éthique et... Ouais, tout à fait. Moralité. Venez pêcher dans Lot-et-Garonne, sur la rivière Lot, qui est très poissonneuse. Wacky style.